And any man who knows a thing knows he knows not a damn, damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall, I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. Bonjour à tous, ici Légendaire 45 et on se retrouve sur Batman Arkham Asylum, épisode 12. Eh oui, déjà 12 épisodes. Et donc on se retrouve où on s'était laissé, donc devant la magnifique statue un peu dégueulasse maintenant je crois. Ouais voilà. Il l'a bien déguisé. Ah non. Ah c'était les... c'était l'effet de la barbe. En tout cas c'est un vieux schnock. Et alors j'en étais que fallait que je passe cette porte. Donc bah, j'avais vu ça. Alors voyons voir. Ah ben voilà. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Mais par contre, est-ce que je vais pouvoir grimper? Oui, si. Hop là. Super. Multi. J'adore cette chenille bleue. Mmh. Oh, je suis trop... Ah, trop fort. Le sang de ma famille coulait dans le cœur de Gotham. Nous étions docteurs, politiciens, professeurs. C'est nous qui avons nettoyé la crasse de cette ville. Humbles serviteurs, on a tout fait pour la protéger. Mais elle a choisi de nous blesser. Esprit d'Arkham. Étrange symbole, ah oui. Mérite inconnu, profession de placement prédilection, île d'Arkham. C'est rien. Été 2009. Voilà, bon bah c'est... Voilà, on a trouvé encore un message secret. Mais bon, c'est pas le problème, c'est que c'est pas ce que je cherchais. Forcément notre passage alors. Pas que ce passage maintenant. Ah si, je l'avais même pas vu. Non, oh, je peux pas y aller. Ici le Joker, avec des nouvelles pour vous. La bonne nouvelle d'abord. On a le docteur. La mauvaise nouvelle, elle ne parle pas. Elle a caché un document dans le manoir. Trouvez-le. J'ai quelques idées pour lui délier la langue. Ils sont pas mal nombreux. En attendant, fouillez bien partout. Une récompense attend celui qui le trouve. Je dois trouver ces notes avant le Joker. Il est là. Je cherche encore. Le Joker de contre-fille. Il est là. Regardez pas. Ils sont pas mal nombreux. C'est chaud. Méga lag là, c'est un peu joli. Je vais me prendre des coups. Hop là. Je peux même pas me voir. Qu'est-ce qui reste? Je vais pulvériser. Je vais défoncer la caboche. Aïe. Toi t'es dangereux. Voilà. Tiens le coup mon pote.
contre. Voilà. Ça c'est bête. En fait j'ai toujours regardé si j'ai des améliorations parce que j'ai vu ma barre tout à l'heure se remplir. Ah non, il est quasiment infiniment bien je crois. Ah non, si j'ai bien une amélioration. Alors voyons voir ce que un bâtard. C'est une fois lancé mais si c'est un bâtard télécommandé. Ouais. Est-ce que je l'ai? Ça permet d'éliminer deux cibles à la fois avec un coup. Entre toute utilisation, amélioration, améliore également le batarang de combo, augmente la puissance du batarang standard, amélioration. Ah, ça c'est pas mal. Entre l'armure. Disposer entre l'armure normale et juste au corps. C'est pas armure V2. Élimination inverse. Hop, ok, patata. Permet à Batman servir sur cette. Ouais mais ça il faut un combo voyite. Ça il me plaît bien celui-là. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Des détonateurs multi-fréquence. Ah oui, si c'est pratique. Explosion de proximité. Ok, bon bah je vais prendre de. Donc je vais prendre le bâtard en puissant parce que comme ça va me permettre de d'améliorer le tir de bâtard, c'est-à-dire que si, quand il touchera un ennemi, il durera plus longtemps au sol et donc j'aurai plus le temps de pour aller l'achever. Surtout si je tire de loin. Voilà. Je pense pas que je peux prendre autre chose. Ah je peux encore échanger je crois. Je sais pas sûr. On va regarder, je vais essayer de prendre l'armure V3 alors. Non, je peux pas, j'ai plus de points. Bon, ça c'est fait. Alors ensuite je continue. Donc ils sont pas mal à out. Je venais de par là, donc il faut que j'aille par là. Oh mais que vois-je. Une poche d'air. Oh, un cadeau. Hop là. Ce trophée était un test. Bravo, tu as réussi le niveau élémentaire. Il va arrêter de me troll lui. C'est pas qu'il m'énerve mais. Il me troll tout le temps. Ah. Bien d'avoir fait une autre sortie. Ça, c'est parti. On kiki. Une cassette. Entretien avec le patient numéro 1. Le patient m'a été adressé après l'incident avec le docteur Murphy. Il semble avoir souffert d'une sorte de dépression. Je pense que c'est arrivé après la perte de sa femme et de son enfant. Jusqu'à présent, le patient était incapable de parler. L'observation continue montre une faible activité mentale, comme si le choc de ce qu'il avait vu avait déclenché son effondrement mental. Il y a quelqu'un là-dedans. C'est lui. On l'a trouvé. Enfoncez la porte. Note à moi-même. Comme toujours, il est difficile de continuer mes recherches dans de telles conditions. Éloignez-vous du docteur Kant. Maintenant. Mettez-vous à terre. On les a trouvés. Appelez un médecin. Bon sang. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Wow. Il était déjà... Il est pas mal atteint lui aussi. Bail. C'est quoi ce délire? Emprisonné à la naissance pour purger la peine de son père décédé? What? C'était un ours en peluche qui a appelé aussitôt ce réfugié de réunion. Quand il fut l'objet d'expédition militaire sur la story d'expédition, le code de Vela,
Sa volonté sans faille l'aida à survivre alors que les autres cowboys succombèrent. Il parvint à s'enfuir des derniers Zeldo. Mais le chevalier noir parvint à battre Bane, privant de jeunes hommes qui permettait de se transformer en surhomme. Wow. Le criminel professionnel Gotham, bah... Ta-ta-ta-ta. 93. Voilà là. Je peux pas ouvrir la porte. Ah, oh. Oh, je suis sorti. Non. C'est quelque chose dessus, mais c'est quelque chose de monté. Non. Bon bah, je vais passer par là. C'est la seule porte que... Ah. Faut vraiment avoir l'œil quand même, hein. Allez, c'est parti. Hop. Bon, il y avait juste ça. Pas très intéressant. Là. On contrôle tout. Où est-elle allée? C'est pas vraiment. Je sais pas, j'ai peut-être n'importe quoi. Tu veux mourir, c'est ça? Hein? Allez, Batman! Voilà, lui il a ouf. Les deux autres n'ont pas l'air d'être dangereux. À quoi sert ce collier? Pourquoi il fait jouer? C'est le collier suicide. Il est bizarre. Collier suicide? Ça porte un autre nom, mais on l'utilise pour surveiller le rythme cardiaque. S'il descend trop bas, l'alarme se déclenche et une équipe débarque. Tout comme mon équipe quand on la déclenche. Alors, ça te plaît, Batman? Est-ce que tu t'amuses dans... voyons... dans la l'Ouest? Il serait déjà là s'il n'avait pas à raisonner, ce cher Cash. Tu sais quoi? Je ne gâcherai pas la surprise en leur disant que tu arrives. Ok. J'ai une numéro... pas mettre longtemps. Bon, alors vu que j'ai une amélioration point tech, donc apparemment j'ai une nouvelle amélioration débloquée au niveau du batarang, mais je peux pas la prendre. Ah non, d'accord, ça a été amélioré. Donc en blanc c'est ceux que j'ai pas acheté et en jaune ceux que j'ai acheté. Oh, Batarang Sonic. Ça, ça sera pas mal. Bon, on continue. Je parle au garde. Cash est à côté. On dirait qu'il se fait frapper. Vous devez l'aider. Je m'en occupe. Restez là. Ah là là, Cash. Oh bah tiens. Ah, c'est pas au sol que je voulais me mettre, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me débarrasse de ça. Alors, je pense que ce serait une autre sortie. Alors là, j'ai une autre salle, évidemment protégée, donc je peux pas aller par là. Donc, le seul voie possible, c'est cette porte. Ouh là là. Rappelez encore, plus fort. Ah, on va être plus combattant. Ah, toi. Contacte le Joker. Dis-lui qu'il ne veut pas parler. Dis-nous où est cette garce.
parle, ou on te coupe l'autre main. Comme vous voudrez. Je ne dirai rien. Ok, si. Harley Quinn sera bientôt ici. Elle trouvera des moyens de te délier la langue. Six. Mieux vaut ne pas savoir comment elle s'y prend. Galez ça un peu. Je ne tomberai pas. Point. Libérez-moi. Si vous n'étiez pas si bête, je vous conseillerais de prendre la vie. Mais pas pour votre intelligence, hein? Mais pour arrêter Batman! Alors ne me décevez pas! Merde, mec. Mais... Eh merde, mauvais timing. Bye bye Batman. Donc c'est reparti. Frappe-le encore, plus fort. Ah, pourrait être plus convaincant. Ah, toi. Contacte le Joker, c'est lui qui ne veut pas parler. Dis-nous où est cette garce. Parle, ou on te coupe l'autre main. Donc lui, il est out. Comme vous voudrez. Je ne dirai rien. Ok, si. Harley Quinn sera bientôt ici. Elle trouvera des moyens de te dédier la langue. Et mieux vaut ne pas savoir comment elle s'y prend. Galez ça un peu. Vous allez bien. Pas de pression au fur et à mesure qu'il vous élimine. On obéit au Joker. C'est vrai qu'ils ont des colis bip-bip. Donc il va falloir que je fasse gaffe. Lui, là-haut. Il est pas mal. Il est là! C'est pas... Défunt ennemi. Ah là là, timing assez mauvais. Donc voyons voir. Hop là. Frappe-le encore, plus fort. Ah, faudrait être plus convaincant. Voilà. Dès qu'il passe en dessous. Contacte le Joker, c'est lui qui ne veut pas parler. Dis-nous où est cette garce. Parle. Ah bah je vais sauter dessus, c'était parfait. Voilà. Hop là. J'ai le prendre à faire. Je vais te buter. Il fait plastique. Ah là là. Elle est finie, il me tire tout dessus. Allez les gars, je crois que quelqu'un vous a laissé un cadeau.
On écoute le patron. Hé, par ici, venez tous, à l'aide! Non, pas toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Réveille-toi, allez! Encore lui! Ah merde! Putain, mais je suis jamais y arrivé! C'est pitoyable! Stoker n'avait aucune chance! Non, mais regardez-moi! Je parle pas. C'est pas bien. Je perds la bonne habitude que je commence à prendre. Bon, allez, c'est reparti. Alors, est-ce que je vais essayer de faire... Déjà, je vais grimper. Et apparemment, le batarang ne détecte pas le batarang. Ah, toi! Contacte le Stoker! Dis-lui qu'il ne veut pas parler! Parle! Ou on te prend comme vous voudrez. Je ne dirai rien. Oh, que si. Harley Quinn sera bientôt ici. Elle trouvera des moyens. Encore un qui mord la poussière! On obéit au Joker! Voilà. Je vais bien les séparer comme ça. Normalement, ils ne vont pas me faire quelque chose. Puisque je vais les tuer dans un ordre très précis. Voilà, et puis ça va être le prochain. Chut, fini. Vas-y, tout continue. Il va falloir aller dans la direction par là. Il en reste plus que 3. Batman ? Hé, tu m'entends ? Montre-toi ! Attends, je te couvre ! Pourquoi ne pas aller voir dans les allées, les gars? Je crois que quelqu'un vous a laissé un cadeau. On écoute le patron. T'es le patron. Il n'en reste plus qu'un. Je jurerais que vous étiez plus nombreux avant. On écoute le patron. Oh ma terre! Approchez-vous! Dégage! Bah! Et voilà, ça c'est fait. Bon, j'ai galéré quand même un peu mal à les surnommer. Ah, c'est vrai, merde, je les ai oubliés. C'est vrai. Hé, hey, Batman! Par ici! Ah, chauve cache et chauve l'autre. Voilà. Merci. Où est passé le docteur Young? Je lui ai dit de fuir. Ces types sont venus la chercher. Je lui ai dit d'aller se cacher dans son bureau. Elle garde ses dossiers là-bas? Je crois. Elle tenait à tout prix à y aller. Son bureau est par là. Ça fait combien de temps? Je dois trouver ces notes avant que le Joker le fasse. 20 minutes, ou même plus. Pourquoi ces notes sont si importantes? Le Joker les veut. Voilà pourquoi elles le sont. Restez là, je vais la chercher. Pas de problème. J'essaie la radio, pour voir s'il y a quelqu'un dans le coin. Ok, c'est parti. Ok. Merci pour le coup de main. Il y a quelqu'un? On a besoin d'aide. Terminé. Contrôle d'Arkham, vous m'entendez? Arkham. Alors, je crois que c'est par là qu'il a dit. Allô, répondez s'il vous plaît. Alors, on continue. Tu cherches les notes tout seul, pas tout. Maximus, une de mes équipes travaille le docteur à l'instant. Ils lui feront bientôt cracher la formule. J'en suis sûr. Sans parler de l'armée de clowns qui démolit cet endroit. D'une façon ou d'une autre, la formule sera oui, c'est à ça. Toi. Tu ferais mieux d'abandonner. Allez, je vais continuer. Fais-toi plaisir. C'est parti. Hop. Bon, la maison de Joker, j'ai les pris. Et c'est parti, on continue. Ah. Évidemment. Évidemment. Sinon ce serait pas marrant si ça était trop simple. Bon. Je viens d'où? Moi je viens d'en haut.
Ok, il y a un, comme je dirais, un petit problème technique. Attends, il y avait une porte, j'avais pas vu. Ah, par contre, elle a les verrouilles. Voilà. Ça corrige le problème. Je viens de parler là. Magnifique, parce que les portes comme ça, je peux pas les ouvrir. On continue donc. Bon, bah, je vais réessayer. Il y a un truc, parce que normalement, comme je pense passer par ici. Peut-être pas. Je suis peut-être pas censé passer par ici. Il y a cette porte là. Je vais revenir sur mes pas, il y a une autre porte. Dans ce cas ça donne. Là, ce truc. Allô, il y a quelqu'un? Non. Je vais essayer d'aller moi à cette porte là. Vous voyez, je mets mon curseur. Je pense que c'est le seul moyen. Je voulais pas monter. Juste courir. Bon. Voilà. Ah oui, d'accord. C'était la porte de tout à l'heure. Ok. C'est très pratique. Secteur Yuri. Ok, ok, ok. Donc je suis obligé de passer par ici. Bon. Y a-t-il une autre porte que je pourrais emprunter déjà? Non, il n'y a que là. Donc là, je suis obligé de passer par ici. Allô, allô. Répondez s'il vous plaît. Je suis obligé de passer par ici. Alors prononce. Je vais reprendre la porte. Qu'est-ce qu'il a ce truc? Allô, y a quelqu'un? Ah bah lui c'est devenu fou sur le type. C'est le Joker qui a fait les. Yeah. Alors. Poupidou. C'est la même, c'est pas la même pièce. Oh. Attends. Eric, c'était la prison d'Amadeus. On dirait que c'est message. Ne prends pas la grosse tête, chevalier noir. Ça se complique à partir de là. Ah oui d'accord, je suis dans une zone particulièrement inutile puisque je suis là. Ça ne contourne pas la porte. Il doit y avoir quelque chose au plafond je pense. Regardons le plafond. Ah ah. Je suis dans une impasse. Cela est...
Donc en fait j'ai vu, ok, j'étais là, la porte que je voyais c'était cette porte. Ce mur là je peux pas l'exploser, ça ça met des trucs bidons, ouais, il y a un mur. Allô, allô, s'il y a quelqu'un s'il vous plaît, répondez. Tout est coupé. Impossible d'appeler à l'aide. Ici l'officier de sécurité Cash. On est dans le manoir et on a rencontré des J'aurais détenus dû armés. Voir les Répondez signes. S'il vous plaît. Contrôle d'Arkham, vous me recevez? Terminé. J'aurais dû faire quelque chose. Contrôle d'Arkham, vous m'entendez? Il y a quelqu'un? On a besoin d'aide. Terminé. Ok, ça c'est totalement rien ça. Contrôle central. Non, je peux pas y aller par là, de toute manière. Contrôle d'Arkham, vous me recevez? Terminé. Mais c'est un problème. Contrôle d'Arkham, vous m'entendez? J'ai quoi comme porte? J'ai cette porte-là. Verrouillée. Cette porte-là. Que je peux considérer comme verrouillée. Donc, fouiller le manoir pour retrouver les notes du docteur. Examiner le bureau du docteur Young. Ouais, bah oui, bah, il faudra peut-être pouvoir que j'y accède. Ce qui risque d'être problématique puisque je ne peux pas. Allô, allô, répondez s'il vous plaît. Ici l'officier de sécurité Cash. On est dans le manoir. Non, il n'y a que dalle. Je ne vois pas du tout ce que je peux faire. Ça arrive à être problématique. Je crois que je vais faire une courte ellipse. Puisque ça sert à rien de que vous me regardez tourner en boucle pendant 5 heures, si je trouve pas. S'il vous plaît. Contrôle d'Arkham, vous me recevez? Terminé. Allô? Allô? S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, répondez. Qu'est-ce qu'il a, ce truc? Allô? Y a quelqu'un? Fragile. Je regarde des fois qu'il y a un mur fragile. Faire le tour. Ah bah bingo, j'ai trouvé quelque chose. Ah, finalement, il n'y aura pas besoin d'ellipse. J'espère que c'est la bonne chose. Mais... ah non. Ah suis-je? Oh, c'est un trésor de l'homme mystère. C'est pas ce que je cherche le plus, mais c'est toujours ça. Bon, hop, c'est parti. Bon, bah, je vais continuer de fouiller autour. Peut-être que je trouverai quelque chose. Tiens, il y a encore quelque chose.
Qu'est-ce qu'il a, ce truc? Allô, il y a quelqu'un? Allô, allô, il y a quelqu'un? Il n'y a que là que j'ai pas fait, tout autour du... de l'allée où il y avait les gardes. Ah, celui-là, il a l'air un peu mieux. Une cassette. Entretien avec un patient numéro 6. Le docteur Crane a été interné à nouveau 3 semaines. Les séances régulières n'ont pas été concluantes. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment fou. Bonsoir, Stéphane. Comment allez-vous? C'est moi qui conduis la séance, Jonathan. Bien sûr. Si ça vous aide à faire face, je n'agirai pas autrement. Parlons des événements arrivés il y a 3 semaines. Que pensez-vous avoir accompli? Le docteur Murphy est toujours en thérapie. Je voulais le comprendre. Ses démons personnels, ses craintes. C'est vraiment fascinant. Mais vous étiez un docteur respecté, un esprit brillant, et maintenant simplement un autre résident d'Arkham. Puis-je avoir à boire une boisson convenable? Ce genre de questions m'ennuie. Je crains que non. Choix de mots intéressant, docteur. Dites-moi, de quoi... Il est en fou, l'épouvantail, c'est l'espèce de le truc qui m'avait rentré dans la tête. Alors, continuons. Allô, allô, s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, répondez. Il y a rien. Gargouille. Allô, allô, répondez, s'il vous plaît. Une porte. Ça, c'est la porte de tout à l'heure. Il y a quelqu'un? Je crois que j'ai fait le tour. Terminé. J'ai fait deux trucs. Ce truc. Allô, il y a quelqu'un? Allô, allô, s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, répondez. Rien du tout. Monsieur Fox. Ça risque d'être très problématique tout ça. En plus, je crois qu'on arrive à terme nos 30 minutes. Il y a quelqu'un? On a besoin d'aide. Terminé. C'est ce que je voulais faire. Ici l'officier de sécurité Cash. On est dans le manoir et on a rencontré des détenus armés. Répondez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a, ce truc? Allô, il y a quelqu'un? Bon, ben, je vais revenir sur mes pages, j'ai dû rater quelque chose. Dans les ouest, j'ai forcément dû rater quelque chose. Voilà, là, là. Ça donne un peu de sol. Exploser. Pour en mettre dessus. Le logo a changé.
très nombreux. Qui a fait ça? Batman, il est là. Il a renvoyé des hommes. Ce type est dingue. Impossible. Il respire encore. Ça ne laisse jamais ses proies en vie. On reste là alors? Le patron veut qu'on reste. Quelque chose alors ici. On reste. J'aime pas ça. On reste ici et on fait gaffe à Batman. Il est là. Allez, petit coup. Voilà. Ouh, le petit roulé. Magnifique. Eh ben non, trop tard. Ah ah. Oh, S. Alors, je venais d'où? Je suis venu de là-haut, mais j'ai pas été par là. Et cette porte s'ouvre. Encore. Ah, il y a encore l'armée. Ben voilà, j'ai trouvé. Je vais revenir sur cette. Je suis un peu con des fois. Où est-ce qu'il l'a emmené? Je sais pas. Le Joker révèle pas ses plans. Elle tremblait. Elle savait peut-être ce qu'il attendait. Peut-être. On dit qu'il a pris quelqu'un pour s'occuper d'elle. Il aurait dû m'appeler. Elle aurait parlé. Ça aurait été marrant. Ouais. Il est là! Ah là, toi comme ça, TOS. Parce qu'avec son arme, là, ça me faisait guerre. Bon. Il y a une bouche d'aération là-haut. Hop, hop. Je l'arrache. Et je vais y monter. Donc, un petit cadeau. Hop là. J'ai... Je vais aller au niveau de la porte. C'est parti. Ouh, il y a pas mal d'ennemis là. C'est Batman. Bienvenue à la bibliothèque. Bon, là, on va faire très vite pour les tuer. Un trauma par-ci, un meurtre par-là. N'importe qui deviendrait fou. Bobo. Bon, l'OS. Tu vas saigner, Batman. Ah, lui aussi. Ça va jamais. Je l'achève. Une petite ellipse. Donc, retour après la petite courte ellipse. Donc, je les ai tous au S. Alors. Sur ce, je vais vous laisser. Aimez la chaîne. Donc, mettez des j'aime. Suivez nos vidéos. Abonnez-vous. Allez voir le site web, suivez-moi sur Twitter, @legendaire45, suivez aussi @retrogamefr pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Et sur ce, passez une bonne semaine. Bye!